អង្គុយចុះបាទអរិយមរៈប្រកាសបន្តប្រចាំការនីតិវិធីសម្រាប់ការនិងគុលវិធីការជូនទៅដំណាងសាភរិញ្ញាបន្តការតាំងសម្រុបដេញដោលចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញ Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, juste une petite précision sur ce que vous aviez dit juste avant l'interruption, pour éviter toute confusion. Lorsque vous avez dit que une des unités de production était sous la zone 304, avait été transférée vers 1977 au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous parliez de Bang Trabek ou de Chrang Chamres? Bad, Kyum Som Kai Tamro Aram Yom Main Lani Yay Munanku Lord Telu Chang Jamre Wing Allow him some Kai Tamro Mo Bang Trabai Kyum Man Group Krong Bang Trabai Te Pel đại phong mình nữ bọn yên giờ đi ao nhóm từ chui mưa cà khô trứ bận đỏ ton và hai chia mình đo pi à tê tê cứ từ ní cứ điệp chầm làm bay Merci, nous aurons l'occasion de revenir sur ces unités de production, Chrang Chamres et Bang Trabek, probablement demain. Vous avez tout à l'heure parlé du fait que sous votre responsabilité se trouvaient les affaires internes du ministère. Vous avez parlé de logistique, vous avez parlé de maisons d'hôtes, de cuisine, d'unités de production, et vous avez également parlé d'être responsable des questions psychologiques. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose dans ce contexte en français, donc je voulais savoir si vous pourriez nous préciser ce que cela voulait dire, les questions psychologiques. Bah. กระทรวงដែលខ្ញុំផ្នែកដែលខ្ញុំកាន់កាប់នឹងគ្មានរោងចក្រទេបាទនឹងទីមួយអត់មានរោងចក្រទេបាទការងារសតិអារម្មណ៍គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូននេះទីមួយរស់នៅឲ្យមានសិលធម៌ស្នេហាជាតិត្រឹមត្រូវ ចេះការពារជាតិកសាងជាតិសិលធម៌ដែលត្រូវបំពាក់គឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺសិលធម៌12ប្រការក្រៅពីនោះគឺរៀនសូត្រឯកសារឯផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងការកសាងអារម្មណ៍ឲ្យបានស្អាតស្អំ Donc, est-ce que je peux résumer cela en parlant d'endoctrinement politique des membres du bureau du ministère des Affaires étrangères? Est-ce que vous étiez responsable de cela? បាទខ្ញុំមិនមែនទទួលខុសត្រូវអីជាសំខាន់ដោយការចាត់តាំងអីបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺគ្រាន់តែថាខ្វះមនុស្សចេះតែដាក់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែដំណើរការបានសិន
Est-ce que vous aviez une responsabilité aussi de formation des cadres en matière idéologique? Est-ce que vous aviez des responsabilités également vis-à-vis des intellectuels? Pouvez-vous nous parler de ça? Pardon, je voudrais préciser, pas les intellectuels du ministère, mais les intellectuels, d'autres intellectuels à l'extérieur du ministère. ក្រៅក្រសួងខ្ញុំមិនបានទទួលខុសត្រូវទេហើយឯក្នុងក្រសួងបញ្ញាជនក៏ខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវអីពេញលេងទេគឺបងអៀងសេរីខាងបញ្ញាជន Je voudrais, Monsieur le Président, m'en référer à nouveau au document D91-14, qui a également la référence E3-91, et particulièrement aux pages en français IRN 00 50 39 33, en anglais 00 22 35 92, et en khmer 00 20 40 95 jusque 96. Et je crois que monsieur le témoin a déjà ce document pour faciliter sa lecture, c'est à peu près la page 4 ou 5 du document. Alors, pour trouver le passage, là, c'est une réponse qui se trouve en dessous d'une question qui parle de, après la libération de Phnom Penh, le 17 avril 1975, à quel moment êtes-vous allé travailler au ministère des Affaires étrangères? Quelle était votre fonction? Quel était le nom du ministre de l'époque, Et à peu près au milieu du paragraphe, quand vous répondez, monsieur le témoin, vous avez dit ceci. Monsieur Yeng Sari était le responsable du ministère des Affaires étrangères. Pour ma part, j'étais le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. J'étais responsable de l'encadrement des cadres et du personnel du ministère.
À cette époque précise, je devais m'occuper de 1000 enfants qui étaient les enfants de cadres révolutionnaires qui ont été envoyés là pour recevoir une formation technique tous ensemble. Pour ma part, j'avais la responsabilité des intellectuels qui étaient revenus de France et des États-Unis. J'avais également la responsabilité des autres intellectuels qui se trouvaient à l'intérieur du pays. Et votre réponse continue, mais je ne peux pas lire l'entièreté du document. Concernant cette responsabilité vis-à-vis des intellectuels provenant de l'extérieur ou d'autres intellectuels qui se trouvaient à l'intérieur du pays, est-ce que vous confirmez ce que vous avez déjà dit ou souhaitez-vous préciser des choses? Bát nhâm chong bản thèm trăng nhâm cục crong bản nhà chuẩn đại vật tập lập mộc pi bờ đất tì bà răng nâng thở aram lên nâng khla tiết nồng sục nhâm chong chấm riệp tha cục crong ní cục crong tại nồng cọp khăn cọ xuông tê càng cai ọt tê bản hai cục crong ní tiết cứ cục crong tại om pi ปัญหาធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ជិលវៀងបញ្ញាជននិងកសិករជិលនគរកសិករដែលធ្វើពលកម្មនៅក្នុងកុំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់អីជាមួយគ្នាទាំងជីវភាពទាំងការរស់នៅបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងបន្ថែមក្រៅពីនេះខ្ញុំយល់ស្របទាំងអស់ Merci. Dans la même réponse, vous avez parlé d'encadrement des cadres et du personnel. Est-ce que vous vous occupiez du recrutement, de la gestion du personnel ou de la discipline du personnel? នៅក្នុងក្រសួងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងវាមានពីរផ្នែកមួយផ្នែកបញ្ញាជនមួយទៀតផ្នែកមកពីខាងកសិករតើតួខុសត្រូវក្នុងផ្នែកបញ្ញាជនគឺភាកច្រើនបំផុតគឺបងអៀងសេរីឯខ្ញុំគ្រាន់តែសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានទំនាស់គ្នារវាងបញ្ញាជននិង Qui était en charge au ministère de l'organisation des visites des délégations étrangères? Est-ce que cela tombait plutôt dans votre section ou plutôt dans celle des intellectuels? Et qu'en était-il de la sécurité? Quelle était la fonction principale de votre adjoint, Monsieur Chim, que vous avez mentionné tout à l'heure? Mục nghĩa sông khăn là bỏ lục chiếm cứ phần này sân để sốc nâng khang bằng co bằng càn phòl bỏ sầm át. Phật giả sầm bày rồi bỏ nhiều.
Vous avez mentionné tout à l'heure que n'avait qu'un rôle de coordonnateur. Et que Yang Sari était en réalité le grand patron. Est-ce que cela veut dire donc qu'il avait la responsabilité générale de tout ce qui se faisait au sein du ministère des Affaires étrangères? Donc, dans l'exercice de vos fonctions, lorsque vous posiez des actes en tant que secrétaire général du ministère, c'était toujours avec, dans le respect de la hiérarchie, avec l'autorisation de Yang Sari ou non? បាទមានការអនុញ្ញាតពីលោកអៀងសេរីក៏ប៉ុន្តែបើលោកប៉ងមកគឺលោកប៉ងនេះមានឋានៈមិនអាចប្រាប់លោកអៀងសេរីក៏បានដែរ សំណួរ Quelle était la fonction de Monsieur Bang? Ta Lok Bang mien tuoniti chi avay? Tam khnyom dang pi pruah avay vay mon dal mien prakas thathana ay ay te Lok Bang. Pantai tam khnyom dang prahal chi monti prathean monti 807 Vous avez confirmé tout à l'heure une déclaration selon laquelle vous disiez que, à la mort de ce Vasi alias Dun, que Sampan était chef du bureau 870. Alors, comment expliquez-vous? Maintenant, vous dites que Pang était aussi chef du bureau 870. Est-ce qu'il y a une différence de fonction entre les deux? Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Hãy lục đưa nâng có nhóm mình cho bà loa bọn mạng đại tế. Còn là thầy có tạm ca sẵn thì thân đại. Rồi mình đại bà ca. Mình đại bà ca thà bục cổ tăng pin nhạc ní thư ấy thư ấy. Toujours dans l'exercice de vos fonctions au sein du ministère. Est-ce que, selon les principes qui étaient d'application à l'époque, à qui vous deviez faire rapport de toutes les activités qui étaient menées par votre bureau, par votre secrétariat général? Est-ce qu'en matière de sécurité, vous faisiez également rapport à Yang Sari ou faisiez-vous rapport à Pang? Est-ce que vous savez si Pang rencontrait Yang Sari? Au ministère. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Pang avait une certaine autorité au sein du ministère. Pour autant, il n'en faisait pas partie. Est-ce que la procédure habituelle, quand on allait dans un ministère, ce n'était pas pour y intervenir de
parler avec son chef, c'est-à-dire que Pang rencontrerait Yang Sari. ប៉ងទៅជួបអៀងសេរីតើມັນចឹងទេឬនីតិវិធីកាលសម័យនោះប៉ងទទួលខុសត្រូវប្រហែលជាទទួលខុសត្រូវសន្តិសុខចំពោះមុខ8រយចិត្តដូច្នេះប៉ងមានអំណាចមកតាក់ទងអ្វីនៅ ក្រសួង បាន ក្រសួងកបតេណា បាន Et ma question était de savoir si Pang avait établi des relations de travail avec Yang Sari lorsqu'il venait au ministère. Évidemment, lorsque Yang Sari était présent, pas en voyage. Yang Sari était présent, pas en voyage. Je vais en revenir maintenant au point de, du rapport que vous faisiez à Yang Sari. Ces rapports, vous les faisiez de façon écrite ou oralement, lors de réunions. Est-ce que vous aviez souvent des réunions avec M. Yang Sari durant toute cette période où vous étiez secrétaire général du ministère des Affaires étrangères? Pouvez-vous nous dire si vous le rencontriez quotidiennement, une ou plusieurs fois par semaine ou par mois? បាទផ្ទះនៅជាប់នឹងក្រសួងការបរទេសគឺរាល់ថ្ងៃពេលណាគាត់មកធ្វើមកក្រសួងការបរទេសគឺជួបរាល់ថ្ងៃ Et est-ce que c'était toujours des réunions à deux ou bien participiez-vous à des réunions du comité du ministère? Et si oui, à quelle fréquence ces réunions du comité avaient-elles lieu? ជារួមក៏បានជួបគ្នា Lors des réunions avec d'autres personnes, par exemple avec des chefs de bureau, on m'a dit qu'il fallait que j'utilise le mot « munti » en khmer. Avec les chefs de bureau, qui faisait rapport lors de ces réunions? Munti, pratien munti, phnai khang. បង្កបង្កើនផលផ្នែកខាងគេថាផ្នែកខាងកសិករខ្ញុំនិយាយចុះផ្នែកខាងកសិករគឺខ្ញុំរាយការណ៍ឬលោកជាមរាយការណ៍ឯផ្នែកខាងបញ្ញាជនមានផ្នែកផ្សេងរាយការណ៍ព្រោះខ្ញុំមិនយល់ពីរឿងការងាររបស់បញ្ញាជនទេ Sommes-nous
D'accord, vous n'étiez pas au courant de ces questions, mais vous étiez présent en réunion et il devait y avoir quelqu'un qui faisait rapport. Pouvez-vous nous dire qui, parmi les cadres du personnel, faisait rapport concernant les activités des intellectuels au sein du ministère? ឃើញសេចក្តីរាយការណ៍គឺតាមផ្នែកចាត់តាំងរបស់ក្រសួងមួយមួយអ្នកខ្លះទៅផ្នែកនេះទៅរាយការណ៍ទៅផ្នែកមួយទៀតរាយការណ៍ទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងជាបច្ចេកទេសសេចក្តីរាយការណ៍នឹងយ៉ាងណាទេផ្នែកខាងបញ្ញាជន Quel était le rôle joué par Yeng Sari lors de ces réunions précisément? Est-ce qu'il prenait la parole et qu'est-ce qu'il disait? Nhom cham mon ote ni yei pi rieng ka ngie chak sdaen chompu muk ba bacheik kateh muoy muoy. Est-ce qu'il lui est arrivé de donner des instructions, des conseils ou de fixer des objectifs pour le ministère lors de ces réunions? Est-ce qu'il utilisait ces réunions aussi pour vous informer de la position du parti ou de la position du comité permanent sur un certain nombre de points? Est-ce qu'il vous informait de ce que le parti avait pris comme décision dans certains domaines? Est-ce que Yeng Sari présidait des réunions d'introspection au sein du ministère? Qu'est-ce que c'était ces réunions d'introspection? Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consistait et ce que Yeng Sari faisait pendant ces réunions? គេហៅថាធ្វើជីវទួនេះគឺកសាងខ្លួនទី1កសាងខ្លួនដោយខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងតើមានខុសមានត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លះឲ្យខ្លួនឯងនឹងគិតគូរដោយខ្លួនឯងទី2គឺសមូហភាពសរុបកសាង Est-ce que Yeng Sari était toujours présent à ce type de réunion? Est-ce que c'était toujours lui qui les présidait? Pro chum thom thom ban mien
ប្រជុំដកពិសោធន៍ប្រចាំឆ្នាំប្រចាំត្រីមាសហើយប្រជុំប្រចាំខែតាមផ្នែកមួយមួយប្រជុំប្រចាំអាទិត្យក្រុមមួយមួយ D'accord. Dans ces réunions d'introspection, lorsque Yang Sari était là, est-ce qu'on parlait des ennemis? Les ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur. Pourquoi parlait-on des ennemis? Est-ce qu'il y avait une menace? Est-ce qu'il y avait des ennemis à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères? Je vais répéter ma question. Pourquoi devait-on parler des ennemis? Vous dites qu'on parlait des ennemis lors des réunions d'introspection. Pourquoi était-il important de parler des ennemis au sein du ministère? Est-ce que c'était parce qu'il pouvait y en avoir qui se cachait au ministère des Affaires étrangères? ແລະສົມນວນນີ້ວ່າໂຈຕໍ່ក្នុងຕົວສະນະວິຈາຈື່ນາບາດຂ້ອຍມັນອາດໄປຍົນບານເດວັນແຕ່ຂ້ອຍສະຫຼຸບຈູນມະນຸດຍັງມະນະມະນະຄວນຂ້ອຍຕົວຄືມີຕົວສະນະທາງປຸມ 2 មានទស្សនៈខាងបិសាចនេះទស្សនៈវិជាបាទខ្ញុំជម្រាបខាងទស្សនៈវិជាវិញបាទខ្ញុំយល់ចឹងសំណួរ Quels étaient, à votre avis, les buts de ces réunions d'introspection et de ces réunions portant sur la critique ou l'autocritique révolutionnaire? Oui, pourquoi était-il important pour le parti que ces réunions soient organisées pour ses membres? ព្រំនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចព្រំនេះបានន័យថាតើអ្នកធ្វើផ្ទះដំបូលមានព្រំឬទេមនុស្សយើងត្រូវតែធ្វើតាមដំបូលមានព្រះព្រំ
ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតាមខ្ញុំយល់គឺថាបើអ្នកឯងធ្វើខុសច្បាប់ព្រហ្មគឺអ្នកឯងត្រូវមានទោសតើច្បាប់ព្រហ្មមានអ្វីជាគោលច្បាប់ព្រហ្មគឺមានទឹកដីខ្យល់ភ្លើងបើអ្នកឯងធ្វើខុសអាហ្នឹងគឺអ្នកឯងត្រូវមានទោសគឺថាខូចបរិស្ថានខ្ញុំជានគរកាយមួយខ្ញុំពន្យល់តាមទស្សនៈវិជ្ជារបស់ខ្ញុំដែលយល់អញ្ចឹង បានខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើជីវទស្សនៈបដិវត្តន៍សូមមានយោបល់បន្តិចទៀតបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមិនឈ្នះទេមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេ Est-ce que ces réunions, en quelque sorte, on pouvait critiquer les autres par rapport aux 12 principes moraux que vous aviez, dont vous aviez parlé? Et est-ce que l'on devait également mettre en avant les faiblesses qu'on avait ou les fautes qu'on avait commises? បានគេបង្ហាញបើអ្នកឯងចូលទៅខាងប្រែតឬក៏ចូលទៅខាងបិសាចនោះអ្នកនឹងកែទៅបើអ្នកមិនកែទេអ្នកអន្តរាយខ្លួនឯងហើយក៏អន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិដែរ Et si quelqu'un se mettait du côté du diable, ne changeait pas. Et qu'à plusieurs reprises, lors de ces réunions d'autocritique, des infractions, des fautes avaient été relevées. Quelles étaient les conséquences pour cette personne si elle persistait dans la faute? គឺមិនដែលថាគេមិនកែទេគឺគេកែកែជាបណ្ដើបណ្ដើគេកែជាបណ្ដើបណ្ដើមិនដែលផលថានេះខ្ញុំមិនខុសទេបើសមមុខភាពជួយហើយគឺថាត្រូវតែទទួល Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivaient tout simplement pas à comprendre et à changer? Est-ce que vous auriez des exemples de gens qui n'arrivaient pas à respecter la discipline et qui ont dû peut-être être écartés ou punis au sein du ministère des Affaires étrangères? មិនដែលដាក់វិន័យអីទេឯវិន័យចង់ថាវិន័យយ៉ាងម៉េចលោកចង់ថាវិន័យយ៉ាងម៉េចវិន័យនឹងដូចជាអីដាក់ទណ្ឌកម្មអីអញ្ចឹងឯងឬមួយយកទៅសម្លាប់អីហ្នឹងលោកថាឲ្យច្បាស់ទៅបាទ Oui, je parle effectivement de sanctions disciplinaires, est-ce qu'elles existaient? Et deuxièmement, si une personne justement persistait dans ses erreurs, est-ce qu'elle pouvait perdre son poste, être affectée ailleurs ou être arrêtée? ក្នុងក្រសួងការបរទេសគ្មានវិន័យចាប់ខ្លួនទេ
miền trâm tại plat đầm nay ở từ cả lạnh đôi tia tia lịch mui thọp tia lịch pi ấy thưa các loại bị tia lịch pi ở từ tia lịch mui ấy nhân từ từ thưa ca nghi ấy đã buộc khâu ấy ấy đấy cầm ở khâu việt thông miền tại phần năng tê không cầu xuông ở đây do từ na chập từ na tê Merci. Somokun. Lorsque Yeng Sari était en voyage, puisqu'il était ministre des Affaires étrangères, il voyageait. Qui dirigeait les réunions concernant les affaires étrangères au ministère dans ce cas-là? សមគុណលោកប្រធានសំណួរដែលសាព្រញ្ញាអន្តរជាតិបានលើកឡើងនេះគឺមានការប៉ុនប៉ងសួរទៅលើលោកអៀងសេរីម្ដងហើយប៉ុន្តែបែរជាអង្វែងសំណួរនេះមកលើសាក់សីហាក់បីដូចជាមានសំណួរនេះមានពិរុទ្ធភាពដល់សាក់សីនាំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាសាក់សីជាបុគ្គលទទួលត្រូវពួរបំផុតនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសូមឲ្យអង្គខ្ញុំរៀបពិចារណាអំពីសិទ្ធិមិនធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងខ្លួនឯងរបស់សាក់សី លោកស្ដាប់ហើយពិភាក្សាជាមួយនឹងសាក់សីសិនណាបងប្អូនពិភាក្សាមួយនឹងសាក់សីណាថាតើសំណួរនេះវាគួរតែឆ្លើយដែរឬទេណាមកលោកមិនអាចមកឆ្លើយឬមិនឆ្លើយចំនួនសាក់សីទេគ្រាន់តែប្រឹក្សាពិភាក្សាពន្យល់មើលថាតើហេតុផលអញ្ចឹងវាត្រូវជាសំណួរនឹងគេអាចមានខ្លឹមសារនាំឲ្យឆ្លើយនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចថាតើលោកអាចឆ្លើយបានទេនឹងសំណួរនឹងឬក៏ មិនឆ្លើយទេសាក់សីទេដែលអ្នកសម្ញាច់លោកគាត់តែខ្សឹបពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងតែពីរនាក់ហ្នឹងបានហើយជាការសម្ងាត់អឺស្រ័យនេះសុំការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីមានពេលវេលាពិគ្រោះជាមួយសាក់សីបាទសុំជឿញបាទ ឲ្យសាក់សីនិយាយណាសាក់សីនិយាយថាម៉េចទៅលោកសាក់សី បាទ សំណួរ មិញ នេះ សុំ សួរ ម្ដង ទៀត បាទ ខ្ញុំ សុំ សួរ ខ្ញុំ សុំ ឲ្យ សំណួរ ឡើង វិញ បាទ បាទអរគុណច្រើនហើយចេះសាក់សីស្ដាប់ខ្លួនលោកលោកស្ដាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅហើយប្រសិនបើលោកយល់ថាសំណួរដែលគេសួរមកលោកហ្នឹងនឹងនាំឲ្យចម្លើយលោកហ្នឹងនឹងអាចតម្លាក់កំហុសមកលើខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនានាឬក៏វិនិច្ឆ័យកម្មផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងដោយសារសំណួរថាតើលោកប្រភេទអំពើហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងគឺលោកអសិនលោកវិភាសាជាមួយនឹងប្រឹក្សាម្ចាស់ការលោកប្រឹក្សាជាមួយនឹងខាង
ត្រូវឆ្លើយឬក៏សុំមិនឆ្លើយតបទេដោយសារវាជាសំណួរដែលឲ្យលទ្ធផលនៃការចម្លើយឬអំណះអំណាងរបស់លោកនឹងអាចប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងមិនមែនឲ្យមេធាវីម្ចាស់ការមកទប់នៅសំណួរមិនឲ្យសួរទៅទេយល់ទេដើម្បីឲ្យវាប្រឹក្សាគ្នាមុននឹងឆ្លើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនទេអាចមួយចប់នឹងមិនមានក៏មានដែរ Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais simplement demander, lorsque Yang Sari n'était pas là, qu'il voyageait, qui dirigeait les réunions au ministère des Affaires étrangères. Mais pour les grandes réunions, est-ce qu'il y avait des grandes réunions qui se tenaient en son absence, qui regrouperaient l'ensemble, par exemple, des dirigeants, des bureaux? Pourquoi n'y avait-il pas de ce type de réunion? Est-ce qu'il fallait toujours attendre que Yang Sari rentre pour organiser ce type de grande réunion? Au cas où un grand problème, une grande question se posait, est-ce que le ministère des Affaires étrangères recevait de l'aide de cadre du comité central lorsque Yang Sari n'était pas là? Et est-il arrivé que Yang Sari et vous-même aient voyagé ensemble? Vous avez tout à l'heure parlé du fait que vous étiez parti en Chine et à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui, dans ce cas-là, dirigeait le ministère en votre absence à tous les deux. Est-ce que, monsieur le témoin, vous pourriez nous dire qui était responsable du comité des relations avec les amis du Cambodge démocratique à travers le monde? Qui était responsable de ce comité au sein du ministère des Affaires étrangères? Je voulais savoir s'il y avait un comité au sein du ministère des Affaires étrangères qui s'occupait spécialement d'améliorer les relations avec les pays amis, les étrangers qui se trouvaient ailleurs dans le monde. Et je voulais savoir qui était responsable de ce comité. Je
Je voudrais maintenant, puisqu'il reste 10 minutes, aborder un sujet assez court s'agissant du recrutement du personnel qui n'était pas intellectuel au sein du ministère des Affaires étrangères. Pourriez-vous nous dire d'abord quelle était à peu près la proportion de membres du personnel des Affaires étrangères qui provenaient des classes ouvrières ou paysannes par rapport aux intellectuels? Est-ce qu'il y avait plus de membres du personnel des affaires étrangères qui venaient des classes paysannes et ouvrières ou plus de personnes qui venaient, qui étaient intellectuelles et qui travaillaient au ministère? Quel était le groupe le plus important au sein du ministère? Est-ce que l'on peut considérer que ces paysans qui étaient recrutés, vous nous dites, par Pain, venaient d'une classe qui était pure? Alors, qu'est-ce que cela veut dire, le concept de biographie pure? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Avoir un passé qui est pur ou venir d'une classe qui est pure, qu'est-ce que cela veut dire sous le régime, évidemment, du Kampuchea démocratique? Que m'a-t-il proposé de la Kraikra? Est-ce qu'il y avait des personnes dont la classe ou la biographie n'était pas nette au sein du ministère des Affaires étrangères? Ou bien ne recrutait-on que des gens qui venaient d'une classe pure? Est-ce qu'il vous est difficile de répondre à la question ou bien vous préférez ne pas y répondre? ខ្ញុំមានការលំបាកនឹងឆ្លើយបាទពីព្រោះខ្ញុំបាននិយាយអស់ហើយវណ្ណៈកសិករហើយគេជ្រើសរើសមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាដល់គេជ្រើសរើសមកហ្នឹងគេសម្រិតសម្រាំងរួចហើយខ្ញុំចង់និយាយ នៅជានេះវាពិបាកដែរបច្ចេកទេសហ្នឹងវាមកពីក្រមឲ្យមកថាហ្នឹងស្អាតហើយយកទៅយកប្រើទៅហ្នឹងបើនិយាយជាសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងវាសនុកស្ដាប់ដែរបាទប៉ិនបើនិយាយបត់បានតាមបច្ចេកទេសសម័យខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវបានដែរបាទ Je voudrais tout de même vous
faire référence, Monsieur le Président, à deux réponses que le témoin avait données en 2010 dans le document E3-446 D369-36. Il s'agit des réponses 21 et 70. Avec votre autorisation, si je peux demander que cela soit projeté à l'écran et que M. le témoin puisse lire ce qu'il avait dit à l'époque devant les enquêteurs. Voilà, alors. À la réponse 21, vous avez dit, comme je vous l'ai déjà dit, à B1, on avait mis de côté les gens dont la biographie n'était pas nette. Et après qu'on a enquêté sur eux, on les saquait et on les envoyait ailleurs. Et à la réponse 70, je vais reprendre la question pour que ce soit clair. La question était, il y a un document qui stipule que il y a des ennemis au sein du bureau. Si ces ennemis en question étaient récalcitrants, le ministère les enverrait alors au centre de sécurité pour qu'ils soient maîtrisés. Et les enquêteurs avaient demandé, que pensez-vous de cette affirmation? Et vous avez répondu, non, ça n'a pas existé, ça. Dans le ministère, on recrutait des gens qui avaient une biographie pure et nette. Alors les deux réponses me semblent légèrement contradictoires. Je vais vous demander de nous éclairer, de savoir d'abord ce que vous maintenez comme déclaration. Est-ce que ce que vous avez dit à la réponse 21 tient toujours, c'est-à-dire qu'à B1, on avait mis de côté les gens dont la biographie n'était pas nette, et après avoir enquêté sur eux, on les saquait et on les envoyait ailleurs. Et je crois que vous avez ajouté, c'était Pang qui amenait les gens en question. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à cela? បាទខ្ញុំរក្សាដដែលខ្ញុំសុំតែបញ្ជាក់បន្តិចបាទបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហុងដែរគេយកមកផ្ញើ បាទឥឡូវដល់ពេលសំឡំមើលសម្រាប់ហើយអរគុណលោកណោសាប្រញ្ញាអរគុណមេធាវីហើយអរគុណមេធាវីហើយនឹងសាក់សីកិច្ចដំណើរការសំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអង្គជំរះសំឡំមើលសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសាក់សីកាលើកបន្តទៅធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកទៅដោយលោកសាក់សីត្រូវការអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់នៅសិក្ខាកម្មរបស់សាក់សីបន្តទៀតដោយសារបញ្ហាវាធំវាវែងហើយនៅមានទំនួរជាច្រើនដែលអាចសួរពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសាក់សីដូច្នេះអង្គជំរះអញ្ជើញលោកមកថ្ងៃស្អែកទៀតដើម្បីបន្តផ្ដល់តក្កកម្ម
ហើយមុនត្រីរដ្ឋបាលតឡាការតម្រូវតម្រួលជាមួយនឹងអង្គភាពកងពារសាក់សីនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីផ្ដល់មធ្យោបាយទៅមកស្នាក់នៅហើយនឹងឲ្យរៀបចំជើងគាត់មកកន្លែងប្រតិបត្តិការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង 9 ជាមួយនឹងមេធាវីទីប្រឹក្សាហើយមកឲ្យអនុរដ្ឋមន្ត្រីខុមខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំង 3 រូបទៅកាន់មន្ទីរខុមខាំងនៃអវតកវិញហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់ទាំង 3 រូបនឹងមកកាន់កន្លែងបន្